ravie de vous retrouver pour une vidéo que je vous avais promis depuis un moment déjà, puisque je suis allée faire mes courses chez H&M dans le rayon beauty. Car oui, j'ai l'occasion d'avoir un H&M qui fait la beauté près de chez moi, donc je suis non contente de la chose. J'étais en no buy, je vous avoue, hein. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, H&M, je connais pas. Eh ben écoutez, j'ai craqué. Donc on va commencer tout de suite sans plus attendre puisque je pense qu'à la base c'est ce que vous attendez toutes. Je vais juste vous mentionner deux petites choses si toutefois vous vous demandez ce que je porte à l'heure actuelle sur le visage. Donc je porte le rouge à lèvres Ryan de Sergio Luis Alvarez qui tient somme toute très bien, c'est un mat trop beau. Et pour la palette, c'est la nouvelle de chez Nocibé. Alors regarde-moi le packaging, il est trop sympa. Vraiment, bon j'ai mis mes doigts dedans. Hein. C'est la Best of Colors Nocibé. Et c'est avec celle-là que j'ai maquillé mes yeux aujourd'hui. Donc en fait voilà, si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me le demander. Je vous le réaliserai de toute façon avec grand plaisir. Donc voilà un petit peu le make-up que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc ça c'est fait, hein, parce qu'il y en a certaines quelques fois qui me demandent mais... Comment tu t'es maquillée? Je peux avoir un tuto? Parce que là, pour le coup, je me suis maquillée, mais le tuto, je ne l'ai pas fait en même temps sur Facebook. Donc, voilà. Si vous souhaitez vraiment que je vous fasse les tutos sur ma chaîne secondaire, j'attends d'avoir les 1000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à aller vous y abonner. Sinon, il n'y aura pas de tuto en live, pas de choses comme ça retransmises dessus. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour être sûr qu'entre nous... ce soit clair. Donc on va commencer. La première chose que j'ai pour laquelle j'ai craqué, c'est cette petite merveille. Donc c'est une palette. Vous savez, hein, connaissez mon amour pour les palettes. Donc ça je ne vous en parle plus. Voilà, c'est juste, j'ai évité de mettre mes doigts dedans pour garder le suspense jusqu'au bout pour vous en parler, mais vraiment avec vous quoi. Donc en gros c'est une palette de strobing highlighting. Voilà, alors là à la caméra elle ressort un peu orange au niveau des couleurs, donc c'est une texture crème comme vous pouvez le voir, voilà, mais ce sont plutôt des highlighters que des bronzers clairement, puisqu'avec le reflet qu'ils ont personnellement je sais que ça peut faire vite l'effet strobing. Donc ça c'est le champagne doré, voilà. Et je vais... Non, c'est le doré, pardon. Et je vais vous faire, le rose gold aussi. Ce sont tous des textures... Donc voilà un petit peu le résultat. Ce sont tous des textures crème. Alors, je vais les laisser voir s'ils passent en mode poudre. Parce que certaines de... Comment dire... Des palettes que j'ai testées récemment, en fait, étaient crème. Mais se transformer en poudre sur le visage lorsqu'on l'appliquait. Donc on va le laisser un petit peu poser pour voir ce que ça donne. Mais je ne l'ai pas testé encore, hein, donc je ne peux pas vous donner mon avis voilà, subjectif, parce qu'il sera subjectif dans tous les cas, mais en l'ayant testé et approuvé quoi. Donc celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que j'ai eu dans la Berry Crush. Voilà le magnifique qui fait aussi fard à paupières que j'ai mis là. Elle est juste sublime aussi, qui a une couleur un peu pêche. On va rester dans le teint et là, pour le coup, j'ai pris un trio, voilà, qui se présente comme ceci. Il y avait un trio qui était avec une couleur beaucoup plus orangée, mais j'ai passé mon tour parce que je ne souhaitais pas... en fait, ma carnation supporte mal voilà, le type... Alors, je ne sais pas où le swatcher, hein. Je vais essayer devant... Si ça fonctionne, voilà. Donc en gros là vous avez l'highlighter, le blush et le bronzer qui est juste en dessous. Donc pour le coup je pense pas qu'il soit trop orangé, donc on arrivera à moduler, à faire quelque chose avec. Mais pour le coup je trouve que pour le prix qui est à 6 €, c'est pas trop cher et c'est quand même super pigmenté. Oui non, je sais pas ce que je fais. Voilà, c'est ici. Je trouve quand même que c'est bien pigmenté pour 6 €. Bon après... Certaines pourraient se plaindre du packaging qui fait un peu, voilà, plastique. Mais honnêtement, moi, je critique jamais les packagings vraiment parce que je trouve que ce qu'il y a de plus important, en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc, pour le coup, les packagings, voilà, c'est pas particulièrement quelque chose qui va me déranger en soi.
Ensuite, on passe à une palette de nouveau, mais là pour le coup, pour les yeux, qui est à 5 euros. Voilà. Elle ressemble beaucoup aux palettes de la marque Catrice et de la marque Essence. J'ai fait tomber, comme d'habitude. Mais elle n'a pas cassé, hein. Je l'ai rattrapée avec mes jambes. Elle ressemble beaucoup aux palettes de Catrice et d'Essence, en fait, dans la présentation, voilà, dans un packaging tout neutre, en acrylique, assez simple. Alors, pour les fards, on va commencer pour le plus clair. Enfin, je vais tous vous les faire. Puisqu'il y en a 5, j'ai 5 doigts. Eh bien, faisons-nous plaisir. Donc, ça donne ça au niveau de la pigmentation. Où est-ce que je vais pouvoir vous faire ça? Donc, la plus foncée. Ensuite, on va y aller. Comme j'ai pris les fards. Voilà. Je vais essayer de vous montrer en faisant comme ça. Donc voilà, de la plus foncée à la plus claire. Bon, la plus claire, elle ne se voit quasi pas. Celle-ci, c'est une couleur un peu champagne. Un peu, oui, champagne. Je trouve assez lumineuse ici. Et ensuite, ici, c'est un mat qui est un peu taupe. Là, c'est un irisé un peu chocolat. Et là, c'est un mat qui est brun chocolat. Donc voilà, de toute façon, on reparlerait par la suite. Pour vous donner un petit peu mon impression et mon ressenti sur ces produits-là. Parce que voilà, je vous ferai peut-être un total look H&M. Qui sait, hein, si vous me le demandez en commentaire. Voilà, donc si vous ne connaissez pas cette chaîne et que vous avez envie de me mettre un mot en soutien pour me dire que vous regardez, que vous aimez ces vidéos, je vous invite à écrire en commentaire le mot « look ». Pour me dire que vous voulez un look spécial H&M. Donc c'est L2OK, tout simplement, le mot look. C'est pas trop difficile, je pense. Mis à part le fait qu'ils sont en anglais, le mot, hein, bien sûr, il y a toujours une difficulté chez moi quand même. Mais bon. Ensuite, je vais passer à ce pinceau qui est juste magnifique. Il est tout doux. Il m'a beaucoup fait penser à celui... qui est sorti dans la collection, dans la dernière collection de chez Kiko. Et en fait, ce sont des pinceaux que j'adore. Alors celui-ci, je l'ai encore pas testé, mais ce sont des pinceaux que j'adore pour faire le contouring, parce qu'en un coup de cuillère à peau, c'est réglé. Donc, comme je vous l'ai mentionné précédemment, je testerai, je vous en redonnerai des nouvelles. Ensuite, on va rester dans les pinceaux. Alors ça, je vous avoue que c'est effectivement plus pour les photos Instagram que je l'ai acheté plutôt que pour les essayer, on va dire. C'est un combo, en fait, d'éponge, une boule pour faire le dessous de l'œil, mais avec un manche et un petit blender comme ça. Je l'ai complètement... massacré avec les couleurs que j'ai sur les doigts. Bon bref, je le laverai, mais ça c'est plus pour faire, vous savez, les petites photos Instagram plutôt que pour l'utilisation standard qu'on en aurait. Mais après, je peux pas vous dire en version mouillée ce qu'il donne. Donc je vous prie de m'excuser pour ça, parce que du coup, j'aurais du mal à vous donner une idée de ces produits-là. C'est pas du tout pour les tester. Mais par contre, j'ai déjà commencé à les tester. C'est l'eau d'éponge. Alors vous trouverez... dans les H&M des lots d'éponge, pardon pour le bruit, des lots d'éponge complets à 8 euros. Il y en a 3 à l'intérieur, et par contre celles-ci, quand tu les humidifies, elles gonflent, elles sont parfaites. Là j'ai pris celle-là pour faire, voyez, l'anti-cerne, etc. Franchement, moi je valide ces petites éponges-là. Elles sont vraiment pas trop chères, 8 euros pour 3, alors que chez Kiko c'est 7,90 pour une ou 6,90 pour une. Voilà, donc je vous invite à les tester si vous pouvez, si vous avez un H&M près de chez vous et que vous voyez des lots d'éponges, franchement foncées, parce qu'elles ne sont pas dures comme de l'ours, hein, clairement, et on peut faire vraiment quelque chose avec. Ensuite, une deuxième dans l'esprit que je me suis achetée, mais celle-ci, bien entendu, c'est pour l'avoir dans mes pinceaux. C'est la même que l'autre, sauf qu'elle a un design différent, avec ici le manche... le sertissage fait en rose gold. Donc voilà, je suis très contente. Je ne pense pas qu'elle se détende, celle-ci, par contre, parce que vraiment elle a l'air assez rigide. Donc dans tous les cas,
je testerai. Elle m'a coûté 4 euros. Donc pour une éponge à manches, c'est pour le combo tout à l'heure, je ne me rappelle plus du prix. J'ai plus le packaging, mais bon. Alors ensuite, on va passer à... j'ai encore quelques petites choses à vous montrer. Je vais essayer de faire passer le sac à côté pour que vous puissiez ne pas entendre trop de bruit, voilà, de friction, de tout ça. Alors, j'ai pris aussi cette petite palette. Donc là, c'est un quatuor, bien entendu. Alors là, par contre, le packaging est cheap. Il m'a coûté 6 euros et c'est en carton. Donc bon, c'est pas grave, il fait quand même relativement joli. Mais c'est juste une boîte en carton dans laquelle on a mis un socle en plastique moulé. Voilà, tout simplement. Donc à la limite, si vous voulez pas garder le carton, gardez le plastique moulé avec les phares qu'il y a dedans. Si vous voulez dépoter, c'est très simple. Voilà, vous chauffez le plastique qui est en dessous pour ramollir la colle. Mais du coup, regardez, ça fait vraiment... ça, c'est moyen quand même. Mais bon. Alors, au niveau couleur, on va aller sur le mat qu'il y a ici, qui est... Oh, et cette texture est mi-crème, mi-poudre. Donc, elle est... c'est super bizarre. Elle est mi-crème, mi-poudre. Très, très agréable. Donc, pas trop orangé, ça va. Pour moi, ça va. Ensuite, on a un bronzer irisé. Alors, lui, par contre, je trouve qu'il a des sous-tons orangés, quand même. Voilà ce que ça donne. Ouais, je trouve que c'est orangé, quand même. Ensuite, on a, je pense, deux blushs, hein, puisque, je ne sais pas, il le dit. 4 bronzers. Donc, voilà. Celui-ci est juste... Waouh, 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 waouh. Ouais, il est juste... Alors, vous verrez pas forcément en caméra. Voilà, il est... là, on le voit bien. Il est juste magnifique. Et ensuite, un corail. Il me fait un petit peu penser. Donc, ce que je vous disais, c'est que celui-ci me fait un chouïa penser au NARS de... Enfin, au... un phare NARS, en fait. Qui a aussi chez Kiko. Mais du coup, oui. De très jolies couleurs dans cette palette. Franchement, pour 6 euros, ça vaut le coup quand même. Mais de la même manière, hein, c'est plus highlight que bronzer. Donc faites très attention si vous achetez ça. C'est pas forcément... Enfin, tout le monde ne pourra pas forcément le porter. En même temps, ce que je me dis, c'est qu'on approche de l'été. Donc, dans un sens... Pouvoir porter un petit peu des couleurs qui ravivent le teint et qui en même temps te donnent un aspect lumineux, glowy, etc. C'est quand même pas négligeable. Donc je me les suis fournies pour ça. Ensuite, je vais vous parler d'une... Vous connaissez mon amour pour les palettes, hein. Comme je vous le dis toujours, eh bien j'ai craqué de nouveau pour une palette de contouring. Oui, parce que j'en ai beaucoup et que chez moi c'est juste maladif. Les palettes de contouring. Celle-ci est mate, complètement mate. Elle me fait beaucoup penser à celle de chez Action, qui, celle de chez Action, comprend deux blushs supplémentaires. Mais ça me fait penser un petit peu à ça. Et celle-ci est à 7,99€, donc 8 euros. Je trouve que la couleur ici, ni trop orangée, elle sera bien foncée. C'est juste parfait. Et ensuite, on peut venir moduler avec du rosé, du jaune, du blanc. Et de la carnation plutôt la rosée et la jaune aussi. Après pour les swatchs, on va les faire vite fait pour que vous puissiez voir. Mais j'ai pas 6 doigts en fait, j'en ai que 5. Donc le 6ème on verra. La texture est crème poudre aussi, hein. Enfin c'est une poudre pressée mais avec un fini satiné. Alors là clairement je n'ai plus de place pour swatcher à part sur ma main. Donc on va voir. Par contre, ils sont hyper poudreux. Alors là, par contre, ils sont hyper poudreux. Donc, il faudra juste faire attention. Donc là, vous avez vu, hein, honnêtement, je me suis lâchée sur les bronzers. On verra pas grand-chose, mais... Donc, je n'ai pas swatché la dernière qui est ici. J'ai peur de mélanger avec... Alors, ce côté-là de mon doigt n'a pas été touché. Voilà, donc je vais pouvoir l'utiliser. Pour rajouter un swatch ici, mais clairement celle-ci est pas très pigmentée à part le blanc qui l'est très très
pigmenté. Voilà, il faut juste le blanc là qui ici il se voit pas du tout. Donc à voir, à tester. Je pense qu'après pour du contouring, on n'a pas besoin forcément que ça se voit beaucoup. On a vraiment besoin que ça soit naturel et qu'en plusieurs couches, on puisse avoir un effet quand même désiré. Si quelqu'un veut très très peu, il en met très très peu. Et si quelqu'un veut plus foncé, voilà, c'est très modulable. Donc il rajoute jusqu'à obtenir ce qu'il désire. Voilà, c'était pour mes palettes de contouring. Voilà, maintenant on va passer à deux rouges à lèvres que je me suis trouvés. Ils sont à 2,49€. Alors celui-là, c'est un matte lip cream, donc 2,49€. Et celui-là, un matte lip cream aussi, mais c'est juste pas la même teinte. Donc les teintes, elles sont où? C'est juste dingue parce qu'il n'y a pas de... Si, il y a une référence. Celle-là, c'est la Pink Rose. Et celui-là, c'est la Blackberry. Donc, beaucoup de ce que je porte en ce moment, c'est plutôt ces couleurs-là. Donc, on va tester tout simplement ensemble ce que ça donne. Alors, ça, c'est pour le Pink Rose. Alors là, pour le coup, c'est un rose super flashy. Et pour le Blackberry... Donc on va attendre un petit peu hein, pour voir si effectivement c'est bien mat. Alors le Blackberry, j'ai l'impression qu'au niveau opacité, ça fait des traces. Je suis pas sûre que ça fasse bien opaque. Il restera en fait des traces de l'applicateur. Donc je verrai si c'est homogène en le posant sur les lèvres ou s'il y a besoin de le travailler un petit peu en couches successives. Pour avoir un rendu très opaque, très net, très 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 portable en fait. Parce que en fait je déteste quand on a les traces de l'applicateur en fait. Quand on balade en fait voilà, le bout du rouge à lèvres sur. Enfin du rouge à lèvres liquide sur les lèvres. Donc on va bien voir. Pour l'instant ça reste super glossy. Donc on va attendre un petit peu. Pendant que je vais vous présenter les deux petites dernières de ce haul. Qui sont des ombres à paupières. Alors le packaging, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je suis séduite complètement. Voilà, du doré, du noir. Particulièrement élégant. Après, moi, mes couleurs, c'est gris et noir. Donc, c'est-à-dire argenté et noir. Donc, ça reste quand même... Le doré, voilà, sur moi, il ne rend pas bien. Mais après, je ne suis pas contre l'idée d'avoir des packagings dorés. Parce que même si donc les packagings sont dorés, c'est pas ce que je vais apprécier mettre en valeur sur mes armoires, etc. Mais voilà, parce qu'en fait, quand on fait des collections, etc., on met sa collection de telle sorte à ce qu'elle soit visible un peu partout, en fait. Et ça, c'est pas une collection que je vais pouvoir laisser pour qu'on la regarde, parce que le doré, c'est pas ma couleur préférée. Mais par contre, quand vous allez voir les swatchs, ces choses-là, juste accrochez-vous les gonzesses parce que je vous assure que ça... J'étais en no-buy, voilà, c'était un moment où j'avais... Voilà, financièrement, j'essaye de me calmer quand même, sur le maquillage du moins. Et là, quand j'ai vu ça, mais mazette, tu peux pas passer à côté et ne pas te dire... Alors, j'espère que là, la luminosité rendra honneur. Ah, beauté du produit, quoi. Alors, cette teinte, c'est le Mesmerize Me. Mesmerize Me, comme Mermaid, mais Rise Me, comme me soulever. Mesmerize Me. Alors, je vais vous swatcher ça, mais juste, la pigmentation est folle. Les reflets sont fous. Je regarde dans le retour caméra pour voir si ça rend justice. Mais là... Oh. Je pourrais rester franchement des heures à regarder ce fard. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Parce que là, il y a la lune. Honnêtement, je vous avoue, il y a le soleil qui donne en plein dessus. Mais je ne sais pas si... Alors, attendez. Je vais essayer de le poser, ce fard, pour que vous voyez ce que ça donne en pleine lumière. Je ne vois pas en retour caméra ce que ça peut donner. J'espère que vous le voyez de telle sorte à peut-être comme ça. Regardez-moi ça. Mais juste, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai dit oui ou non, je comprendrai en commentaire. Oui pour d'accord et non pour pas d'accord. Non mais juste... Oh,
Je suis tombée en amour en fait sur ce phare parce que voilà, là, 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 il est juste sublime. Après, je vais faire la même avec celui-ci. Alors, celui-ci est bien plus subtil parce que c'est un doré nacré. Vous allez voir aussi de quoi de quoi il retourne. Alors, sur mon doigt, excusez-moi, c'est le mauvais, mais sur mon doigt, voilà l'effet. J'ose pas baisser l'autre pour pas paraître. Pour pas vous indigner parce que c'est pas mon genre. Alors, je vais juste swatcher et vous montrer ça. Mais alors, cette collection. Alors, j'ai pas craqué sur toute la collection parce que c'est juste pas possible et ils ont des effets tellement différents en fait entre les monos que. Dans tous les cas, il y a du mat, il y a du nacré, il y a du scintillant comme ceci. Et là, en fait, j'ai juste l'impression que ça ressort pas. Alors, clairement, je ne sais pas pourquoi. Si, un petit peu. Alors, de la même manière, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais juste, moi, ces deux petites choses-là, elles m'ont fait juste de l'effet, quoi, quand je les ai vues. Et je pouvais pas ne pas repartir avec, en fait. Et chaque mono... donc le deuxième que je vous ai présenté s'appelle Let It Shine et chaque mono est au prix unitaire de 6€, donc ça reste encore correct. Bon, c'est sûr que pour un mono 6€ hein, mais ah voilà, peut-être que plus loin ça rend mieux. Mais alors ça a un effet glowy, enfin juste shiny, juste magnifique. Donc voilà, je vous avais vraiment gardé le meilleur pour la fin. Puisque ça, pour moi, ce sont juste des sublimes phares. Enfin, juste... Il y en a très peu qui font des phares comme ça. Je crois que les derniers que j'ai vus en date qui reprennent un petit peu ce schéma, c'est bien entendu Sephora. Vous savez que j'ai des monos de Sephora de partout, en fait. J'en ai tellement que... J'en ai même tout un tiroir des monos de Sephora, donc voilà. Et c'est un peu les seuls qui... Enfin... Qui font un peu des couleurs aussi... aussi extravagante mais en même temps tellement élégante, enfin je ne sais pas comment vous expliquer mon amour pour ces couleurs là. Ah oui, on a juste oublié de revenir au mat et effectivement ils sont bien mat de chez mat, donc il faut quand même laisser sécher un tout petit peu avant d'avoir cet effet là. Donc voilà, très joli aussi. Vous aurez compris qu'on en a terminé pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu, que je vous aurai donné envie quand même et montré des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao !